Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve sur No Man's Diary pour découvrir ce jeu qui vient de sortir. Il est sorti le 30 mars 2022 au prix de 19,99 € sur Steam. Pour l'instant, il n'a pas de promotion Instant Gaming, etc. Si un jour il y en a, je vous le dirai. Le jeu a l'air top, c'est un jeu de survie. Je vous lis un petit peu le pitch du jeu. Donc, le monde a été totalement ravagé lorsque les bombes ont commencé à pleuvoir. Seuls ceux cachés dans les bunkers ont survécu. À présent, 15 ans plus tard, la nourriture vient à manquer. Vous n'avez plus d'autre choix que d'affronter un monde hostile pour assurer votre survie. Alors franchement, le jeu, on va regarder ça ensemble après la bande-annonce. Il a l'air top. On regarde la bande-annonce et on est parti pour tester le jeu. Nouvelle partie. C'est parti. My situation is easily explained. It was after the year 2000 when the nuclear weapons pelted down on Earth. Politicians were concerned about climate change and other problems, but no one knew that a madman was secretly building nuclear weapons. He was of the opinion that when his natural lifetime expired, not only he would have to die, but all other people as well. Not a single human being should have the right to continue living. He devised a vicious plan with his henchmen, so that a chain reaction between his nuclear weapons and the ones of the world powers was triggered. Only very few people found sanctuary in nuclear shelters. But after more than 15 years, they realized that the scientists had been wrong. Their calculated prediction of when it would be possible to return to the Earth's surface was simply wrong. So the people have to stay in the bunker much longer than assumed, which brings up the next inhuman problem. The supplies are not enough to keep all the people alive. Therefore, the decision was made that some survivors must leave the bunker. The decision is made by lot. Et j'ai été l'élu, je parie. Ok, ouais, c'est moi l'élu. C'est moi qui dois aller chasser pour sauver ceux qui sont encore dans les bunkers, ok. Très bien, très bien, très bien. Ok, bah salut, merci, hein. Ce fut un plaisir. On me fout dehors. Ok. Ah, oui, non, je me disais, ma souris n'est pas là, mais si, si. Oula, par contre, trop sensible, attendez. Ok, ça devrait être un peu mieux comme ça, quand même. Donc, on me fout dans la pampa, c'est ça? Alors, j'ai un inventaire. Normalement, c'était sur table. Apparemment, pour l'instant, non. De toute façon, ils vont bien me le dire. Sentenced to death, without water, food, medication, abandoned in the forest,
Ah, mais non, en fait. Ils m'ont pas abandonné pour les aider. Ils m'ont abandonné parce qu'ils avaient plus de nourriture, en fait. Ils ont choisi ceux qui gardaient pas. Maintenir ou pas? Non, c'est bon, c'est cool. Cool. Tu as une nouvelle entrée dans ton journal pour l'ouvrir. Maintenant, je suis abandonnée dans la forêt. Beaucoup de choses ont décidé de mon sort. C'est vrai que je suis capable de survivre dans cet endroit. Dieu seul sait. J'ai certes besoin d'eau et de nourriture, mais je devrais d'abord trouver un endroit où dormir, mais pas dans cette forêt. C'est trop risqué. Je dois trouver un moyen de sortir de cette forêt. Ok? Il n'y a pas besoin d'expliquer le journal davantage. Tu y trouveras les entrées. S'il y a une nouvelle entrée, elle s'affiche comme ça. D'accord, tu peux l'ouvrir à tout moment. Appuyez sur E pour ouvrir les tâches. Trouver un moyen de sortir de la forêt. Très bien. Et ensuite, on a l'équipement. On n'a rien, quoi. Ça, je sais pas. Livre, introuvable, équipement, objet. Très bien, très bien, très bien. Cool. Bah, sortons de la forêt. Avec Shift. Ah, ok. Ça bascule. Alors ça, j'aime pas trop. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, mais... Pas tellement le choix. Non? Ok, c'est pas par là. J'ai sauté pour rien. Ah si, c'est par là. Ou par là alors. Je sais. Faites pas ça, mais faites gaffe, hein. Je sais pas ce qu'il y a dans la forêt, mais... Ouais. On voit rien, je cours. Quitte à me péter une jambe. C'est par là ou pas? Ah bah trop tard, hein, je l'ai fait. Oh moi j'attends pas, j'attends pas. Par contre maintenant faut que je trouve le pont. Ok, ça devait être ça, donc ok, donc par là. J'ai pas écouté, j'ai pas écouté. Il y a quelques ralentissements quand même. Après le jeu est en épique, hein, au cas où. Il y a un camp là. Non, c'est une voiture. Tournevis. Quelque chose. Hello? Who's there? It's not funny anymore. I really had to pick the short end of the stick. Un moyen de... Non, attends, attends. Mais c'est un raton laveur, non? Pas la moindre idée. M'en fous, je me casse. What's mankind done to itself? For years, they talked about global warming, CO2, diesel cars, and so on and so forth. But no one was expecting this. Ah bah non, personne s'attend à ça, hein, ça. Catastrophe nucléaire, bon, c'est pas terrible. À toute personne qui lira ce mot. Après la montagne à votre droite, il y a un tuyau dans le sol. J'y ai caché une chose dont je n'aurai plus besoin. À droite de la montagne, hein, un truc comme ça. Dude, where am I? This damn forest must end somewhere. Oui, sûrement.
Puis la nuit va s'arrêter aussi à un moment donné, t'inquiète pas. C'est pas sûr, hein? Peut-être une nuit éternelle. Ça lag, hein, par moment, ouais. Arrête, tranquille. Bonjour, cher chanceux. En marchant dans la forêt côté gauche, parallèlement à la zone industrielle, tu trouveras un vieux un conteneur militaire. Je ne l'ai pas vidé, mais tu en as peut-être besoin. En marchant dans la forêt côté gauche, parallèlement à la zone industrielle. Industrielle, c'est ça? En marchant dans la forêt côté gauche, c'est ça? C'est pas ça. Est-ce que je peux marcher là? Étonnant que ce soit ça, mais. Attends, on va peut-être par là. C'est vrai qu'on voit que dalle avec sa lampe. Vous, normalement, vous voyez mieux que moi, mais. Comme d'hab, hein, mais. Un vieux conteneur. Bon, ça c'est mort, ça s'ouvrira jamais. Warning. Qu'est-ce qu'il a vu? C'est ça? Un tournevis peut être pratique. Ok. Ok. C'est bon. Tournevis, comment je prends? Après 1 heure à chercher, hein, j'ai fouillé toute la zone et en fait j'ai trouvé un truc. Normalement, ça devrait marcher cette fois-ci. Voilà. Il vous fallait le tournevis et le truc. Et par contre, c'est la molette. Alors c'est un peu chiant, je trouve, pour comment? Pour changer d'équipement. Enfin bref. Et du coup, je fais quoi là? Non, pas trop. Hein. Tourner dans l'autre sens. Pas tourner dans l'autre sens. C'est un sens pour le tournevis, c'est tout. Là, c'est bon. Ok, eh bah bordel. Quelle angoisse. Compteur GGR, très bien, j'en ai besoin. J'ai trouvé pas mal de trucs, hein, faut que je vous montre. Oui, oui. Pas WSD. Oui, mais attends. Hop, donc c'est ça en fait. C'est assez étrange, hein. Comme histoire. Pourquoi je peux plus avancer? Pour changer la pièce d'équipement. Oui, non, mais ça, j'ai compris. Maintenant que j'ai compris, hein. Très bien. Mais qu'est-ce que ça fait? Pas rien. On est bien content. Il est en route, ce truc? Faut le tenir appuyé. Ah, je peux pas voir la lampe et le machin. Donc genre ça. C'est très chiant cet équipement. Ok, contaminé. Ok. Bon, on en a pour 3 heures parce que tout ce qu'il y a dans la zone là. Non, ça c'est bon. Ok. La zone est grande en plus. On voit que je vois que dalle. Contaminé. Contaminé, c'est pas la peine. Tout est contaminé. Ouh. On est content. Je vois pas où je vais. C'est quand que le jour se lève? Il y a un jour à un moment donné, non? Cette bordel. S'il y a un truc qui m'attaque, je le verrai pas arriver. Hein. Je vois rien du tout à où je vais. Il a pas deux mains, le mec?
Un pour le compteur, un pour le... Non? C'est chiant. Oh, c'est contaminé, c'est pas la peine. Regarde quand même. Ok, je suis où là? Mets ta lampe. Ok, pour l'instant, je trouve rien de pas contaminé. Hein. Pas ici, tout à l'heure, il voulait faire un feu de camp ou je sais pas quoi, mais c'est pas là. Je crois que le jour va se lever, ça va être cool. Voici, c'est par là. Regardez, si vous voyez quelque chose, je crois que vous voyez un petit peu mieux que moi avec le montage. Ah. Bah oui, mais attends, j'ai pas eu le temps de tourner. Ah, super. J'ai plus d'épingle. Et d'ailleurs, oui, d'accord. Et d'ailleurs, j'ai pas d'armes, j'ai rien en fait. Il faut quoi? Trois trucs, machin, un parapluie. Laissez tomber. Des bûches, des allumettes, je sais pas quoi, du papier, des machins, un chaudron. Bah, galère. J'ai l'air bien galère. Bon. Ah bah il n'est pas un. Tiens. Non. Non. Bah arrête, Otiel. Là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Une bouteille d'eau, des pilules, un truc de crochetage. J'ai un petit peu de bois, je sais pas où je l'ai récupéré. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de... Bah oui, non. Faut tous les ingrédients pour le faire. Oh. C'est un peu galère. Laisse-toi. Laisse-toi. Ok. Ah, tout va bien, t'inquiète pas. Du bois. Par contre, c'est chiant que la touche courir s'enlève pas toute seule. Je sais pas si on peut le faire. Le compteur GGR. Ouais, contaminé, c'est pas la peine. Je crois que je l'ai déjà vu en plus, celle-là. Une casserole. Il me faut du papier, je crois. Les gars, on ne peut pas laisser les ordures ici. Quand je vous demande de sortir les ordures, mettez-les simplement dans des contenants appropriés au lieu de jeter n'importe où, ok? Il n'y a rien là-dedans d'intéressant? Ouais, je suis un fouille ordures, hein, du coup. On ne peut pas monter. Pourquoi monter, je sais pas, mais... C'est tout, il n'y a que ça ici. C'est bien triste. Bon. Laisse-toi. Non. Tige métallique. Oh, c'est certain que c'est contaminé encore une fois, mais... Ah. Ouais, de toute façon, dès que ça bouge, je crois que c'est même pas la peine, en fait. Bon, à la limite, ils auraient dû faire la molette, mais juste la molette, on descend, on remonte et ça nous change d'équipement, quoi. Ça aurait été moins gênant que cette histoire-là. Oh, j'ai tout fouillé ici. La porte restera fermée pendant la production, c'est une instruction du boss. Sûr, hein?
pièces pour la peine. C'est pas pratique. La paille, on avait besoin. Mais non, j'ai toujours ça. Inventaire plein déjà? J'ai rien. On n'a rien. I don't know much, but I know that I won't stay here any longer than necessary. As soon as the sun rises, I'm gonna hide. Ça sert bien de me faire faire un feu de camp, hein. Ok, non, même pas la peine. Oh, ce qui est cool, c'est que notre batterie est infinie de la lampe. Okay. On a beaucoup de trucs de crochetage, c'est pas mal. Justement pour ça. De la bouffe. On va passer ici. Ça sert strictement à rien. Mais... pris quoi, du papier, je crois, non? Je peux maintenant aménager un endroit pour dormir. Il est possible de trouver du tissu, de la paille et une couverture. De même, une bâche et quelques lattes de bois peuvent être pratiques contre la pluie. Ok. Ok. I have to be careful not to break my bones with all the trash lying around. Non, tout va bien. Saute par-dessus. Allumette. Donne. C'est une fausse, mais donne. Ok. Oh, inventaire plein. Plein, dommage. Oh non, t'énerve. Je voulais... J'ai dit t'énerve pas. Dans l'autre sens. Je vais vraiment me faire un camp ici, quoi. Ça pue un peu, non? Non. Calme-toi. Tissu, ok. Obviously, the industrial area ends here. My favorite district begins. The fucking forest. Non, mais je vais pas aller dans la forêt. Je vais essayer de faire le camp qu'il voulait faire, mais je sais pas si j'ai assez en fait. Je l'ai déjà fait, non? Non, non, c'est bon. Il est bon. Pour toi qui trouveras cette lettre, je m'appelle James Lair. Je suis à la recherche de ma famille. Je suis blessée et je souffre de fièvre depuis quelques jours. Je ne crois pas pouvoir y arriver. Dis à Marie, ma femme, que je l'aime. J'y manquerai pas. J'arriverai à retrouver où je voulais faire mon camp.
C'est bien ça. Si, moi je voulais voir, mais what? Ah, elle a des piles, ma lampe. Hein. Ah, comme par hasard, quoi. Je vois rien. Super, super. On va se couler un peu. Mon père, elle clignote un peu. Je suis où là? Je suis à l'entrée. C'est où le machin pour faire le camp? Je me rappelle plus. Je suis où? Je suis morte? What? What? Qu'est-ce qu'il a eu, le mec? On sait pas trop. Je suis morte de quoi? Je sais pas trop. Je cherche le truc histoire qu'on se fasse juste. Voilà, ça. Je peux? J'ai 15 sur 3. Oh, je l'avais la marmite et tout. Hein. Ok, c'est un peu galère. Hein. C'est un peu beaucoup galère, je trouve. Et du coup, j'ai plus ma marmite, j'ai plus rien. Après, est-ce que je suis bien obligée de faire un feu de camp ici? Je devrais garder les yeux ouverts pour en trouver d'autres. Très bien. J'ai trouvé l'endroit approprié pour... Bah, ça, c'était très bien. Ok. Allez, là, il faut quoi? Pas trouver de parapluie, moi j'en ai trouvé. Hein. La paille, j'en ai. Ma casserole, je sais plus où elle est. Ah, c'est chiant qu'il soit mort comme un con. C'était là, non? Il y a cette casserole. Super. Et il n'y a pas de la paille ou des trucs par là, non? Il y avait du bois. Merci. Okay. Ah, je pensais qu'il y avait un truc de paille, mais non. Arrête de courir comme un malade. Laisse-toi, hein. Laisse-toi. Pour trouver les ressources, c'est chaud, en fait. Faut aimer fouiller, quoi. Ouais, écoute. Faire tous les trucs. Moi, j'aimerais au moins essayer de faire le feu de camp, voir ce que ça dit. Mais j'ai l'impression que ça va être galère. Ok, ça on l'a déjà fait tout à l'heure. What? What was that? I'm so fucked. Non, c'est rien. I have to get out of here. Where should I go? Et de toute façon, je sais même pas comment. Du bois j'en ai deux, du papier j'en ai un. C'est tout en fait. Boire, on peut pas. Pas boire. Alors peut-être il est mort. Il est mort de soif en fait. Mais comment je m'hydrate? Vu que j'ai pas de raccourci
effectivement. Comment on fait pour s'hydrater et tout? I don't know much, but I know that I won't stay here any longer than necessary. As soon as the sun rises, I'm gonna hightail ouais, and ouais. get out of here. Écoute, n'hésite pas. Ok, ça il l'avait dit tout à l'heure. Il avait un crochet dans la bagnole. Je spam en fait, je cherche. Ouais, je crois que c'est sa soif. Hein. Si je fais ça. Ah, peut-être ça consomme là. Ok. J'ai consommé de l'eau. C'est pas mal. Ouais. Ce que je prends par moment. J'ai. Pour le feu, c'est bon, ça, ça. Il me manque du papier, une allumette. Enfin, les allumettes et le bois, il m'en manque un. Allumette, j'ai pas trouvé, hein, bien sûr. Ouais. Arrête de courir comme ça. C'est chiant, par contre, la touche, quoi. L'heure prévue pour la collecte des marchandises a changé. La marchandise doit être livrée lundi. Pour cela, veuillez vous assurer que tout est prêt dimanche soir, ok? I think they must belong to the most expensive cabs in the world. You know, the ones that pick you up from a party with alcohol poisoning. But the extended service with the overnight stay and breakfast via infusion, it's not something to be scoffed at. Cherche du bois, de la paille, des. Mais alors, par contre, pour ce qui est de. Des allumettes, je vois pas trop où je vais les trouver. Je sais pas si on va arriver, en tous les cas, dans cette vidéo-là, à faire le feu. Hein. Ça a l'air extrêmement galère. Non. Non, merci. C'est pas ça. Non, merci. À tous les employés comme des étrangers ont été aperçus dans les locaux. À plusieurs reprises, cette porte est fermée. Vous pouvez récupérer la clé dans le bunker. Ok. Cool. Donc c'est bien un manque de piles aussi. Mais écoute mon pote, j'en ai qu'une. Hein. Je vois plus rien. C'est fini. Il y a moyen de recharger les piles ou pas? J'ai pas de batterie, quelque chose? Non. Allez, prévenir, à moins qu'elle se recharge. Oui. Parce que là, ça va être dur. Hein. Je vois pas un mètre devant moi. Si on regarde dans le ciel un peu, peut-être. Est-ce qu'elle se recharge?
Pas du tout, hein. Deux, c'est quoi? Trouver le nécessaire pour faire un feu de camp, faire un feu de camp, trouver un premier hyper. Moi, je veux bien, mais sans lampe. Voilà. À moins qu'elle clignote et qu'elle s'arrête pas du tout, ça, on peut encore continuer à chercher, mais sinon, ça va être plutôt dur. Hein. Oh, qu'elle clignote, ça va. Salut Franck, je ne sais pas où tu te trouves, mais je resterai pas plus longtemps ici. C'est trop flippant pour moi. À moins un de ces quatre, au revoir Tom. Ok. C'est-à-dire que je peux passer par là, quoi. Ah si. Peut-être bien. Tourne en rond. Il manque toujours un, ça. Introuvable. Nourriture en conserve. Veux faire le feu de camp, moi. Latte de bois. Voilà, c'est la porte. Par contre, j'ai plus de lampe du tout, les amis. On a du tissu, mais je vois plus rien du tout. Super. Ravi. Aussi. Ce vous voyez bien. Moi non. Vous êtes des tricheurs. Vous voyez pas mal. Moi je suis dans le noir total. Bah écoutez, je pense qu'on trouvera pas l'allumette d'ici là. Hein. Alors le jeu peut être bien, mais je pense extrêmement long. On va s'arrêter là pour cette vidéo découverte. Je pense extrêmement long, donc je verrai si je le ferai pas par la suite, un petit peu plus tard en tous les cas, quand j'aurai un peu plus de temps, parce qu'en ce moment j'ai pas mal d'autres vidéos à tourner. Mais le jeu a l'air bien, je sais qu'il peut être bien, je sais qu'il va être bien. Le début est difficile parce qu'on sait pas trop ce qu'on cherche, on n'arrive pas bien à savoir comment gérer, bah, par exemple la lampe et tout ça. Je pense que par la suite, une fois qu'on prend le jeu en main, ça doit être plus facile. Franchement, il est beau graphiquement, il tourne bien. On verra par la suite ce que j'en ferai. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. À rejoindre la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. C'était Lise sur Deadman's Diary et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.